Mes bien chers geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans un 101% où nous retrouverons la critique de Marvel Avengers Battle for Earth, un reportage sur Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate et un Retro Magic consacré à Chaos Control Solar Crusade. Mais bien évidemment, tout ça, ce sera après les news. C'est dans les pages d'un très récent numéro du magazine Shukan Shonen Jump que JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle a révélé sa date de sortie au Japon. Il s'agit du magazine historique de publication de JoJo qui a fait paraître chaque semaine l'histoire du mangaka Araki Hirohiko de 1984 à 2004. Le Jump est le plus gros titre de l'éditeur Shueisha, même si aujourd'hui, JoJo continue en fait d'être prépublié dans le magazine Ultra Jump, destiné à un public légèrement plus âgé. Quoi qu'il en soit, le nouveau titre de Cyber Connect 2 sera donc disponible sur l'archipel à partir du 29 août sur PS3. Évidemment, pas encore de date de sortie chez nous, mais laissez les autorités compétentes faire leur travail, et dès que nous aurons de plus en plus d'informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Sortons le popcorn et voyons un peu les derniers rebondissements dans la guerre plus ou moins froide dans laquelle se sont lancés Activision et Disney. Le premier annonce fièrement qu'en 15 mois, Skylanders et Skylanders Giants ont rapporté $1 milliard de recettes, jouets et accessoires compris. Le second vient d'annoncer les prix de sa gamme Disney Infinity. Le pack de démarrage de Wii U comprend le jeu, le portail Infinity, un power disc, 3 figurines et 3 univers à explorer pour une durée de jeu estimée à 18 heures environ, sans compter le mode Toy Box bien sûr. Le tout pour un peu moins de 70 euros. Sachant qu'une figurine supplémentaire coûte 15 euros et le pack de 2 power discs distribué aléatoirement 8 euros, la facture va vite s'alourdir. Nos condoléances aux parents, désolé pour les familles, tout ça tout ça. Au final, les prix annoncés par Disney sont légèrement plus élevés que ceux de son principal concurrent, mais l'éditeur d'Infinity pourrait profiter d'une dynamique plus intéressante s'il arrive à lancer un cycle d'échange de leurs power discs dans les cours de récré par exemple. Bref, il y a intérêt à faire des réserves de pop-corn. Le spectacle ne fait que commencer, alors que le jeu Disney devrait sortir vers mi-juillet si l'on en croit les premières dates disponibles sur le net. Namco Bandai avait profité du fait que Tank 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 fasse partie du line-up de lancement de la Wii U pour tenter de vendre son jeu d'une manière classique. Sortie physique et prix assez conséquent pour son contenu, à savoir une quarantaine d'euros. Le jeu n'avait pas convaincu grand monde et l'éditeur semble en avoir tiré les leçons. Depuis le 13 février, le jeu est distribué de la même manière qu'au Japon, c'est-à-dire en free-to-play disponible sur l'eShop. Chaque joueur peut télécharger ce qui ressemble plus à une démo qu'à la version complète du jeu. Cette version eShop comprendra 3 modes de jeu sur 4 et sera limitée à 3 parties par jour. Pour débloquer une version intégrale du jeu, il faudra se procurer des DLC dont le prix oscille entre 2 et 10 euros chacun. Un bon moyen de s'essayer au jeu, mais pas certain que cela convainque le joueur de passage d'investir plus dans ce titre, que ce soit pour une version disque à 40 euros ou pour les différents DLC de la version téléchargeable. Oh non, Wii U, tu n'es pas morte en vain! Et d'ailleurs, elle n'est pas encore morte, hein, puisqu'il y a encore des jeux qui sortent. La preuve avec Marvel Avengers Battle for Earth, qui était déjà sur Kinect, et que maintenant, on retrouve sur Wii U. Alors, est-ce que ça vaut le Kinect? Je sais pas, ça doit pas être du tout le même système de jeu, mais on va voir ça tout de suite. Plus que n'importe quel manga ou animé, les comics Marvel se sont forgés une réputation d'excellence dans le domaine de l'adaptation en jeu de baston. Depuis que Capcom a pactisé avec l'éditeur américain au milieu des années 90, les fans n'ont jamais eu à se plaindre du traitement infligé à leurs super-héros. Que ce soit en termes de technique ou de gameplay, tout a toujours été mis en œuvre pour qu'ils s'y retrouvent. La formule est maintenant bien rodée, le public d'ores et déjà conquis, ce qui explique pourquoi Marvel Avengers Battle for Earth d'Ubisoft n'entend pas concurrencer ni même profiter de cet héritage. Simplement à sa manière, il tente d'imposer sa vision du jeu de combat en collant. Dans la Terre sauvage, les héros de la Terre découvrent une épave de vaisseau contenant des versions antérieures d'eux-mêmes, prétendant être les vrais héros. La confusion et la guerre s'ensuivent. Contrairement à ce que l'on pourrait penser quelques mois après la sortie remarquée d'Avengers au cinéma, le jeu d'Ubisoft n'est en rien son adaptation. Si un pont devait être fait quelque part, ce serait plutôt du côté de Secret Invasion, un crossover qui a servi d'événement majeur à l'univers Marvel en 2008. On y retrouve en effet les mêmes héros ainsi que cette même trame à base d'invasion de la Terre par les Skrulls. Ils ont envahi votre monde et volé les identités de vos plus grands héros. Moi, je suis le gardien, et voici l'invasion secrète.
Mais si sur le papier cette filiation constitue un atout majeur, force est de constater que Marvel Avengers, Battle for Earth, ne parvient jamais à en tirer parti. Le mode campagne propose bien quelques planches ça et là pour poser le contexte, mais ses minuscules efforts de mise en scène s'avèrent vite insuffisants pour une licence de cette envergure. Des vaisseaux Skrull arrivent sur la Terre pour la conquérir au nom de leur dieu extraterrestre. Avec sa succession d'affrontements sans queue ni tête et l'absence quasi totale de narration, ce mode de jeu principal parvient difficilement à convaincre. Ce qu'il propose est en effet bien trop léger pour d'un côté parvenir à contenter le fan et de l'autre intéresser le néophyte. Combat. Malgré les apparences, Marvel Avengers Battle for Earth n'a pas grand-chose en commun avec les productions Capcom. Il y a bien ce genre, le versus fighting, ou encore ce tag system qui permet de former des duos et de changer de perso à la volée. Mais c'est à peu près tout. Car si l'éditeur japonais a toujours mis un point d'honneur à élaborer un gameplay accessible, mais susceptible d'être joué en compétition, Ubisoft préfère quant à lui s'inscrire dans une mouvance très très grand public. Ici, il n'est pas question de parler timing, frame data, gestion des distances ou encore combo. Marvel Avengers Battle for Earth est même à l'opposé de tout ça puisqu'il a été conçu à l'origine pour exploiter le Kinect. Autrement dit, au cas où l'évocation du périphérique de Microsoft ne vous aurait pas suffi, son gameplay ne révèle pas d'une précision chirurgicale. Évidemment, faute de caméra à détection de mouvement, cette version Wii U ne demande pas de gesticuler bêtement devant son écran. Pour remplacer les déhanchés de la version 360, on aura le choix entre une prise en main tactile au gamepad ou du motion gaming rudimentaire avec le retour du combo Wiimote Nunchuk. Dans le premier cas, Marvel Avengers Battle for Earth prend très vite des allures de jeu smartphone. Concrètement, il faut toucher de petites pastilles pour déclencher les différents coups, leur utilisation étant limitée par un temps de recharge. Les coups spéciaux, au nombre de 3 et situés en bas de l'écran, demanderont un petit tracé en plus afin de maximiser les dégâts. Toutes ces attaques sont placées sur les différentes touches de la Wiimote et du Nunchuk dans le second cas, et de rapides inclinaisons des poignets viennent remplacer les mouvements de stylet. Pour remporter la victoire, il suffit alors de spammer ses coups spéciaux dans la mesure du possible, tout en prenant soin de les sortir à bon escient, selon un petit principe de pierre-feuille-ciseau. Tu n'as que ça dans le ventre. Pour apporter un peu de profondeur à ce système enfantin, les développeurs ont introduit une jauge d'ultra qui se remplit en fonction des coups donnés et reçus. En effet, si le jeu est relativement facile, il faudra tout de même apprendre à maîtriser le Breaker, un casse-combo auquel on accède lorsque la barre est à moitié pleine et qui se montre bien utile quand on se trouve en difficulté. Évidemment, lorsqu'elle est totalement remplie, la jauge d'Ultra offre aussi la possibilité de placer une furie imparable. Côté contenu, Marvel Avengers Battle for Earth ne propose rien de foncièrement original. Un système d'XP obtenu au terme de chaque combat permet de débloquer petit à petit du contenu, des modes versus et défis répondent à l'appel, et il est même possible de jouer à deux en coop. Une option sympathique mais qui s'avère très vite anecdotique, puisqu'il s'agira alors de combattre alternativement, et non en même temps, avec un joueur au gamepad et le second armé d'une Wiimote et d'un Nunchuk. Les flammes de la victoire! Avec Marvel Avengers Battle for Earth, on a le sentiment qu'Ubisoft a signé un bon gros chèque pour s'offrir une licence prestigieuse, sans trop savoir ce qu'il allait bien pouvoir en faire. Au final, il nous a donc pondu ce jeu de combat au gameplay simpliste, tellement simpliste d'ailleurs que, sans vouloir se la jouer pro-gamer, sa courbe de progression est quasi inexistante. Plus proche d'un Dragon Ball Z Kinect que d'un Ultimate Marvel vs Capcom 3, Marvel Avengers Battle for Earth est un titre qui ne présente donc aucun intérêt et que l'on préférera vite oublier. Il faut dire aussi qu'entre ces personnages qui se jouent tous de la même manière, ces combats hyper répétitifs et des styles qui ne respectent pas du tout les caractéristiques de nos héros fétiches, on peut difficilement se montrer clément à son égard. Et oui, toi, non, oui, you, non, pas toi, toi, tu, non, non. Bon, la Wii U n'est pas morte et ne se rend pas, mais pendant ce temps-là, à Veracruz, la 3DS continue son petit bonhomme de chemin avec un nouveau Castlevania et sa fouette. Déjà
déjà respectée par une large communauté de joueurs, la série des Castlevania a su séduire encore plus de monde grâce à sa récente tentative de reboot sur console HD, Lords of Shadow, qui à l'heure actuelle reste le plus grand succès commercial de la saga. Aujourd'hui, c'est sur 3DS, sous la forme d'une expérience en 2D, que la série Lords of Shadow revient. Baptisé Mirror of Fate, cet épisode se doit de répondre aux attentes de joueurs aux profils très différents. Il doit dans un premier temps satisfaire les nouveaux venus, qui attendent une suite à Lords of Shadow, mais également convaincre ceux qui gardent un excellent souvenir des Castlevania en 2D et des travaux de Igarashi Sensei, comme Symphony of the Night par exemple. Et c'est à l'occasion d'une entrevue avec le producteur de la série, Dave Cox, que nous avons pu poser quelques questions, notamment concernant cette difficulté à séduire ces différents types de joueurs. I think what we're trying to do is we're trying to meet the expectations of the people that bought Castlevania Lords of Shadow. That game, when it came out, was the most successful Castlevania that's ever been released in the series history. So what we've done is we've brought in a lot of new fans into the Castlevania mythology. So our number one goal is to please those people, is to say to those people, here's a sequel to your game, the game that you really loved. At the same time, you know, we want to keep one foot in the past, we want to give the game that kind of classic feeling, and we want to give players you know, who've grown up with the Castlevania mythology, we want to give them a feeling this feels like a classic game. And I think Mirror of Fate is a much closer marriage between the new and the old. So I think that older fans will appreciate it because, you know, it's got a lot of aspects. It feels like a classic game. It feels like almost a spiritual successor to Dracula's Curse, which is one of my favorite games. You know, we have the multiple characters of that game. We have the multiple exploration elements of that game. You know, in many ways, we wanted to create a sequel to that game. Although this isn't a sequel, a true sequel, there are many aspects of this game that have in common with Dracula's Curse. So I hope that the old fans will get into this because you know, I think they understand now that what we're trying to do with this series is do something that's outside of the Castlevania timeline, and they can accept it that it's a reimagining. They can, you know, hopefully be open to that. But primarily, it's a sequel to Castlevania Lords of Shadow. So I think if you enjoyed that game, you know, when you get this game, you're going to feel like, hey, this is a worthy sequel to that game. That's the biggest challenge of you know, modernizing Castlevania is keeping the identity, the atmosphere, the kind of core things about the series that people really remember and like, but also, you know, keeping it fresh and new and changing it without completely changing it. You know, sometimes you're really successful at that, sometimes it feels like a perfect marriage, and sometimes, you know, you're not so successful. I think with we learned some lessons with Lords of Shadow for sure. I think with Mirror of Fate and Lords of Shadow 2, those lessons will become evident, you know, when people see the game. You know, I think it will be a lot more, there are stronger titles than Lords of Shadow for us for sure. Our goal with the Lords of Shadow series was to modernise Castlevania, to bring it to a wider audience. You know, previously it kind of been appealing to a hardcore fan base, you know, who are very passionate about Castlevania, just as I am. But the Konami, you know, senior management felt that they wanted Castlevania to reach a bigger audience, so that we could pull in new players. And one thing that really that makes me happy about Castlevania: Lords of Shadow, we get a lot of people writing to us and emailing us and tweeting us, saying this is the first Castlevania I ever played, and it made me want to play Symphony of the Night. It made me want to play Super Castlevania 4. And thank you for getting me into the Castlevania universe. So I think that's nice that people have been inspired by what we've done. Because that's what happened to me, you know, I was inspired by the original Castlevania. You know, Super Castlevania 4 made me want to work at Konami. It made me send my CV to Konami and say, give me a job, you know, and hopefully that's going to inspire other people now. Se lancer dans ce Castlevania 2D a forcé les équipes de Mercury Steam à revoir l'aspect exploration de leur série. En effet, de l'aveu même du producteur, cette dimension n'était pas vraiment mise en avant dans l'épisode précédent sur console HD. Ou en tout cas, pas comme certains fans l'auraient souhaité. On peut alors se demander si ce Mirror of Fate propose autre chose en termes d'exploration, quelque chose qui se rapproche plus du style Metroidvania, ou alors si le développeur continue sur son principe d'exploration linéaire. It's kind of a mixture of both. You know, we felt that the exploration aspect of Lords of Shadow wasn't as strong as it could have been. You know, when we talked about what we would do differently about Lords of Shadow, exploration was one of the things that we felt as a team we could improve. So when we came to the design of Mirror of Fate, we wanted to have a much deeper, much more improved exploration aspect. And what we've tried to do is take some of those Metroidvania elements and also the, as I mentioned before, the Dracula's Curse, multiple branching pathways. So players will be backtracking, players will be looking around the areas for hidden secrets. And, you know, that kind of aspect of the gameplay that players really like from the classic games is definitely in this game.
So, you know, you play through the game, it appears linear at first, but then it opens up, the castle opens up, and even when you've completed the game, you can go back and re-explore those areas in the castle to get everything 100%. And the really cool thing is when you finish the game and you do get 100%, there's a really nice unlockable that gives you a kind of clue about what's going to happen in Lords of Shadow 2. We had a lot of praise about certain things that we'd done with the game. The combat people really liked. The strategic element, mixing up light and shadow magic, people really liked that. People were disappointed with the exploration aspect. You know, they felt the game was quite linear. So that was something we really wanted to improve. And we also felt that with Lords of Shadow, because we'd been so successful with that game, we felt that we had a mandate to continue forward, and we had a bit more confidence this time to incorporate some of those older classical elements from the symphony, from Symphony of the Night and from Dracula's Curse and Super Castlevania 4 to give the game more of a sort of a classic feel. So we felt a little bit empowered to take those kind of elements. So I think this game, for the fan base, when they look at it, they'll see that it's actually a lot closer to what they're expecting from a Castlevania title. Un des points qui semblait mettre tout le monde d'accord sur Lords of Shadow, c'était son système de combat qui laissait le joueur enchaîner des combos un peu à la manière d'un God of War. Un système que Mercury Steam a essayé d'importer dans son Mirror of Fate, non sans difficulté, compte tenu de la nature 2D de son titre. It was quite a challenge to bring that kind of 3D action combat scenario to a two-dimensional plane. We're big fans of fighting games, the 2D side-scrolling fighting games and one-on-one fighting games like Street Fighter and things like that. We wanted to kind of capture a bit of that in it. So we wanted the players to feel like they were battling enemies and they were able to pull off combos when they wanted to. They were able to use their secondary weapons whenever they wanted to and mix that with their magic abilities. So it felt like a fighting game. So that's kind of how we approached it, from a 2D perspective. At the same time, we want to play with players' perceptions in terms of what they expect. So you see a side-scrolling 2D game, but in many ways, this is a third-person action game as well, because the camera, comes into the world quite a lot. You see boss fights from very different perspectives. It's not always kind of flat on. So it feels modern. It feels like something new, but at the same time, it feels classic as well. The other thing that we wanted to do in terms of was fighting mechanics was, area attacks and direct attacks are kind of one of the core features of the Castlevania Lord's Shadow game. And, the usability of that, being able to keep enemies at bay with area attacks, being able to dish direct damage to enemies one-on-one. We wanted to keep that aspect of it. So we've tried to tweak enemies so they come at you from different sides, and you can use your area attacks to keep them at bay, try to control the crowd whilst switching between direct attacks and area attacks. I think that strategy element of the combat that people really liked about the first game is still evident in Mirror of Fate, so hopefully when players play it they'll be challenged with the combat, because I think that's important for this title. Et les challenges à surmonter pour l'équipe ne se situaient pas uniquement au niveau du game system, mais aussi au niveau de la technique et de la capacité de Mercury Steam à proposer quelque chose de pointu visuellement parlant et d'inspiré en termes de direction artistique. I think the hardest part was realizing the visual beauty of the first game and shrinking it down to 3DS size. That was quite a challenge. We had to build the game engine right from scratch for the 3DS, and we knew that we wanted to give it that kind of visual quality throughout the game, and so that we created all the assets in high definition so that we could shrink them down. Something very common in game development is to create higher resolution, higher quality assets and pull them down. We wanted stone to look like stone, we wanted wood to look like wood, armor, we wanted the light to reflect on armor properly, and these are things that we felt were important with the first game, and doing that for the 3DS was really challenging. When we showed the game at E3, we weren't happy with the quality that we showed at E3. We felt the lighting wasn't right. The game had frame rate problems. The combat didn't feel solid. It didn't feel smooth. There was a certain pressure on us to show the game at E3. Obviously, Nintendo felt this was a very important title. But after E3, we said, okay, we're going to delay the game and we're going to spend a bit more time finessing it and polishing it and making it, fit what we'd done with the first game. It's important that the quality of this game is AAA quality, it has to be. And hopefully people, when they see the game on the 3DS, they'll see that the visual style, the design, the art direction, all the things that people really liked about the first game, is absolutely there in the 3DS title, it's just smaller. Prévu pour le 8 mars prochain sur 3DS, nous sommes définitivement nombreux à attendre ce Mirror of Fate.
On espère trouver dans ce Castlevania des feelings familiers, mais on attend également de lui qu'il nous surprenne. Et on vous invite à ne pas rater la diffusion de la critique prévue dans un 101% à venir. Après Castlevania, restons dans l'univers des créatures fantastiques puisqu'il est grand temps de retrouver notre JP, Julien Pirou, celui que les filles surnomment affectueusement dans les couleurs de No Life la bête humaine, qui va aujourd'hui nous dévoiler ses honteux penchants sidérodromophiles avec Chaos Control et Solar Crusade. On s'en souvienne aujourd'hui surtout pour ses non-jeux, souvent assez pitoyables, comme les trois pseudo-Zelda entrés dans la légende du mauvais goût, il ne faut pas oublier qu'au moment de sa sortie, le CDI de Philips portait en lui les espoirs d'un renouveau du jeu vidéo, dont le futur s'annonçait plus que jamais multimédia. Bon d'accord, ce renouveau multimédia allait devoir attendre le développement du jeu PC et les sorties de la Saturn et de la PlayStation pour devenir une réalité. Mais cela n'empêcha pas le CDI d'avoir sa killer app, en quelque sorte. Il s'agissait de Chaos Control. Développé par Infogrames et édité par Philips, Chaos Control est un rail shooter qui rappelle furieusement l'âge d'or des jeux sur laserdisc. Chaque niveau du jeu prend la forme d'une vidéo précalculée dans laquelle le joueur peut viser et tirer, le but étant d'abattre un maximum de chasseurs ennemis et survivre jusqu'au niveau suivant. Le jeu est loin d'être facile et l'action trépidante, même si évidemment tout cela devient nettement moins palpitant lorsque l'on commence à connaître le tracé des niveaux, la vidéo ne changeant bien entendu jamais. Cela n'empêche pas d'en prendre plein les mirettes avec des affrontements dantesques dans le ciel de Manhattan et des batailles spatiales au cœur de flottes extraterrestres. Si Chaos Control a bien un point fort, c'est sa qualité visuelle. Pour un peu, on oublierait le nuage de fumée un peu ridicule qui vient camoufler les ennemis abattus le temps qu'ils quittent l'image. Chaos Control se démarque également par son scénario étonnamment développé pour un jeu du genre. Dans le futur, la Terre subit l'attaque des Keshran, des aliens évidemment peu recommandables et bien décidés à éradiquer l'espèce humaine. Histoire de changer un peu des fantasmes machos de pilotes testostéronés, le héros de Chaos Control est une héroïne, une blonde au caractère bien trempé, le Major Jessica Darkhill, qui a des raisons personnelles de mettre la pâtée aux Keshran, en dehors du fait que ceux-ci menacent toute vie sur Terre, bien entendu. L'histoire était racontée sous forme de cinématique en dessin animé à l'esthétique hybride entre BD façon métal hurlant et animé japonais. Qu'on aime ou pas le style, on ne peut pas lui reprocher de manquer d'identité propre. Malheureusement, malgré ses qualités graphiques et narratives, Chaos Control reste, objectivement, un jeu assez médiocre. Et pour cause, il représente le degré zéro du rail shooter, sans la moindre subtilité ou surprise. A noter que le jeu a également été porté sur console 32 bits et PC. Si les versions PlayStation et Saturn sont très similaires à l'original sur CDI, la version PC est assez honteuse, les séquences précalculées, qui étaient l'un des seuls intérêts du jeu, ayant été remplacées par des graphismes polygonés et non texturés. L'année suivante, Infogrames donne une suite à Chaos Control avec Solar Crusade, un jeu au principe similaire mais au gameplay un peu plus poussé. Détruire les ennemis permet désormais de récolter divers bonus, comme de nouvelles armes ou des munitions. Les niveaux sont également découpés en tronçons plus courts, permettant de choisir entre plusieurs chemins ou de découvrir quelques passages secrets. Le jeu est encore une fois un feu d'artifice visuel, proposant des environnements encore plus variés et exotiques, comme les canyons de Mars, les fonds marins ou une bataille spatiale particulièrement impressionnante si on se replace dans l'époque. En revanche, les séquences animées sont nettement moins soignées que dans le premier épisode. On y suit à nouveau Jessica Darkhill et ses équipiers, forcés de faire une trêve avec les Keshran pour faire face à une menace commune surgie d'une faille dimensionnelle. S'il s'agit d'un bien meilleur jeu que Chaos Control, on pourrait d'ailleurs dire qu'il s'agit cette fois-ci d'un jeu tout court, Solar Crusade reste malgré tout assez dispensable. La saga Chaos Control montra rapidement ses limites et ne connaîtra pas de troisième épisode. La série garde toutefois un intérêt historique. Elle démontre en effet que peu importe la qualité graphique ou le nombre de cinématiques, c'est le gameplay avant tout qui permet à un jeu d'entrer dans la légende.
Mes bien chers geekettes, mes bien chers geeks, il est plus que temps de nous séparer, mais je voudrais quand même rassurer les fidèles de notre émission et de notre chaîne. Oui, je suis vieux, je suis usé, je suis fatigué, quasiment liquide, mais non, je ne vous quitterai pas, je ne démissionnerai pas, et je continuerai à vous faire des gros bisous. Gros bisous à tous. Yeah.